Face à ces blocs d'inanimés, décomposant et recomposant dans la passion du regard ces fragments saisis pour faire un autre corps, habité par cette tension, de ce qui les a fait naître, leur a donné une autre vie. L'inanimé va être réinvesti de vivant et d'âme. Il va être habité et peut-être nous faire éprouver violemment ce qu'il y a de sensuel ou d'érotique dans un corps reconstruit, un corps devenu œuvre d'art. Est-ce qu'une âme est enfermée à l'intérieur? Est-ce que ce geste enferme cette âme ou la libère? Dans ce corps pétrifié, qui n'imite pas l'être mais le recrée, le fait surgir de façon irruptive, brusquement, comme si un souffle avait figé un mouvement, et que ce mouvement continuait tout de même, se poursuivait, invisible mais présent.